En reprenant le métro pour retourner à la station Vaugirard, j'ai fait une étonnante rencontre. Assis devant moi dans la rame, un homme me jetait des regards furtifs, tout en ayant l'air de pitonner sur sa calculette. Étrange affaire. Du coin de l'œil, je l'observais de temps en temps et me demandais pourquoi il semblait me regarder avec autant d'insistance. De naturel timide, je n'osais trop croiser son regard en me disant que de toute façon, je descendais à la prochaine. Mais mon périple allait être plus long que prévu. C'en était trop. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'avais des doutes, mais vous faites effectivement des portraits d'usagers du métro sur des tickets de métro? Voilà, j'en fais pendant mon trajet pour aller au travail. Je peins la personne qui est en face de moi. Systématiquement? Systématiquement. On prend toujours quelques kilos hein, sur un ticket de métro. Oui, ben le métro change les gens. Hein. Oui, c'est vrai. Luc Gratteau est portraitiste dans le métro. Tous les jours, cet informaticien de formation peint les gens du métro, plus particulièrement sur la ligne 12 et la ligne 10 qu'il emprunte quotidiennement pour aller à son travail. Vous avez peint combien de portraits? Il y en a de tout genre, mais il y a cette unité de support qui est le ticket et cette unité thématique qui est le portrait. Vous en avez fait combien? J'en ai fait à peu près, je ne sais pas, peut-être 1500, entre 1500 et 2000. Je n'ai pas vraiment cherché à les compter. Et donc le support du ticket de métro a ceci de particulier, c'est qu'il évoque immédiatement le temps. Il évoque la notion de parcours et donc la notion de durée. Et donc il permet de créer une métaphore de la vie, l'aventure humaine, le fait qu'on est en voyage. La panoplie d'artistes qui vous accompagnent se compose de cette trousse d'anciennes calculettes. Et vous avez également un carnet dans lequel vous colligez des croquis accompagnés de textes. Donc ça, ce carnet constitue une espèce de catalogue raisonné. En fait, j'y note le jour, l'heure, la ligne sur laquelle a été faite la petite peinture et quelques remarques factuelles ou une idée qui me passe à travers la tête. C'est un journal de bord. J'y note ce qui m'avait motivé pour le choix de tel ou tel sujet. Par exemple, une écharpe, une texture, un vêtement ou une pose, une structure de visage. Une coiffure. Vous en avez quelques milliers, vous allez aller jusqu'où? Parce que vous savez le nombre d'usagers qu'il y a dans le métro parisien, vous comptez vous rendre jusqu'où? Je ne sais pas. En fait, ce travail, ce projet me permet de tester des approches nouvelles, des manières de peindre. Il m'arrive d'avoir des moments de lassitude et c'est précisément à ces moments-là que j'insiste, puisque je sais que je vais franchir des paliers. Et passer à autre chose. Et donc, c'est vraiment important de persévérer au moment où on commence à saturer.